Et salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Dying Light 2. Let's go! Alors, on doit aller parler à la One, on vient d'avoir de sauver un peu son campement. On a un peu galéré, ça je vais pas vous mentir. Hein. Moi je suis un galérien de toute façon, ça change pas de mes habitudes. On va prendre nos armes, donc ça c'est usé, ça c'est pas usé. Ok, en 1 on va mettre celui-là. Est-ce que je peux amener... ça je vais le remplacer aussi je pense. Nickel, il faudrait que j'aille voir aussi un petit peu les marchands parce que je pense que j'ai beaucoup d'argent et je m'en suis jamais servi. Je suis à 3223, je m'en suis jamais servi. Et moi je joue, moi c'est tout, moi, je fais pas attention. Je t'ai vu combattre. Il y a pas un marchand ici? Non, il y a aucun marchand pour l'instant. Comme par hasard, j'ai besoin d'un marchand, il n'y en a pas. Vous foutez de ma gif? Si on est même comment plus ça se passe? Mais où est-ce qu'on va? Allez, les Lego. Ah oui, c'est vrai, là, on est dans la nuit. Awan, j'approche de l'île de Culver. Super. Franck s'est arrangé. Alors, je vais. Qui avait dit j'approche? J'approche de l'île du QVR, n'importe quoi. Mais c'est moi qui ai dit n'importe quoi. Tu trouveras ta sœur. Autant pour moi. Et j'ajouterai le nom de ces enfoirés à ma liste noire. Tout le monde sera content. Sauf ceux que tu vas buter. De toute façon, ils seront plus en état. Ah ouais, mais il y a des coupures, des moments de dialogue. Ça, c'est vraiment casse-couille. Hein. C'est de la vulgarité, mais c'est la vérité, quoi. Faut arrêter. Ça, par contre, c'est. C'est un peu n'importe quoi parce que il crie même pas, mais il alerte tout le monde. Faut arrêter les conneries 2 minutes les gars. Un hurleur ça doit hurler avant d'avertir les gens. On va faire une réunion super war. Mais ils sont sérieux? Mais c'est une foutue blague. C'est ce genre de bug qui va me saouler. Lieutenant Rove, j'ai des ordres du commandant. Je ne suis pas Rove. Il est parti avec l'équipe au parc New Dawn. Je suis le lieutenant Grady. Super. Je suppose que je dois continuer. Qu'est-ce que tu racontes? Montre-moi ces ordres, fiston. J'étais censé les donner directement à Rove. Et je suis Rove quand Rove n'est pas là. Ça s'appelle la chaîne de commandement. Donne-moi ça. C'est quoi ce bordel? Le commandant a dit pourquoi on rentre au centre? Il avait pas l'air d'avoir envie de m'expliquer quoi que ce soit. Je suis que le messager. Ok les gars, on remballe. Le commandement nous ordonne de nous retirer. On retourne à la base. Quoi? On quitte l'avant-poste, c'est ça? Ne me pose pas de questions. Tu ne peux pas te cacher derrière la jupe de Meyer ici. Vous nous abandonnez? Qu'est-ce qu'on va faire? On sera sans défense! Va donner des armes aux survivants avant de partir. Si j'étais vous, je leur donnerais des tonnes d'armes. Les renégats ont envoyé un détachement entier au Fisheye. Tu as d'autres bonnes idées, civil? Juste une question. Où est-ce que je peux trouver Rove? Au parc New Dawn, comme je te l'ai dit. Je sais pas s'ils sont déjà arrivés là-bas. Apporte-lui ça et dis-lui que je m'en occupe. J'aimerais pas être à ta place, l'ami. Rove va péter un plomb quand il va lire ça. Et je suis ici pour sauver des vies, pas pour perdre la mienne. Ouais, merci du conseil. Bande de connards. On n'a aucune chance. Je suis vraiment désolé, civil. Mais nous avons des ordres. Vous pouvez pas nous laisser. Ah là, il y a peut-être des marchands ici. Non ? Putain d'imbécile! Non, y'a pas de marchand, y'a rien, c'est quoi ce délire? Y'a rien dans ce bled pourri là! Putain de biomarqueur! Des boulets, ouais! Si seulement je pouvais m'en libérer! Lawan, je vais au parc New Dawn. Apparemment, reviens! Ah, je comprends toujours pas pourquoi les renégats ont attaqué Fisheye. On n'en est pas poursuivi, ça c'est cool! Non, jamais. Même lui respectait les traceurs, donc aucune idée de ce qui se passe. Quoi, c'est quoi ça? On me dégueule dessus, frère. Le boucher, dis-moi plus à son sujet.
Le colonel. C'est le chef des renégats. Il a donné l'ordre d'asperger la ville de produits chimiques. Et c'est comme ça que mes parents sont morts. Je suis désolé. Pas moi. J'ai vu mon père une fois dans toute ma vie. Et si ma mère était douée pour quelque chose, c'était boire de l'alcool. Elle m'a abandonné. C'est comme ça que t'as fini dans le programme de Waltz ? Plus ou moins. J'ai pu se monter vers l'os et aller plus vite, et toi, je pense. Tes parents, tu te souviens d'eux ? Non. Je me souviens juste de l'hôpital. Vous croyez que moi je pense que Walt en fait c'est son père, parce que c'est bizarre quand même. Hein. Sépare, Mia et comme moi. Par hasard il. C'est pour ça que tu la cherches ? C'est la seule famille qui te reste ? Et si on se concentrait sur la mission, ok ? Comme par hasard il a pas voulu tuer quand il a dit c'est toi. Le dernier arrivé est un arrêté. Aiden ? C'est bizarre parce qu'il y a trop de trucs qui pourraient coïncider à ce que ce soit ça. Lol, petit trophée. Quand t'en tues des gens comme ça, tu gagnes de l'XP à gogo. Tiens, feu. You have a deal. Oh, c'est neuf. J'avais réussi. Mais vas-y. Mais j'appuie sur le truc de contrée, ça fonctionne pas. Tiens. Oh là là, c'est incroyable ça. À des moments, c'est ouf, hein. Ça te fait des trucs que tu peux pas faire normalement et là bizarrement et ça te fait des trucs que t'as pas envie de faire. Et quand tu veux faire quelque chose, tu peux pas le faire. Je cherche le lieutenant Rove. Tu l'as vu ? T'es qui toi ? Pourquoi tu demandes ? J'ai des ordres du major Matt. Le lieutenant Grady a dit qu'il était ici. Tout ira bien. Où sont ton escouade et ton commandant ? On était en train de monter le camp quand les renégats nous ont attaqués. Rove et les autres, ils en ont eu quelques-uns. Et ils ont poursuivi ceux qui ont essayé de s'enfuir. Et toi ? J'ai pas pu les suivre, et j'ai perdu le contact. Puis un autre groupe m'a attaqué. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Les renégats n'attaquaient pas nos positions au centre. Oh merde ! Hé ! Y'a encore des rats ici ! Ça va chauffer ! Attention. Cache-toi ! T'inquiète, mon poteau. Bien sûr ! On y va de ce pas, n'est-ce pas, messieurs ? Attrapez-le ! Bien sûr. C'est comme ça que tu te bats, toi. Oh shit. Tiens, putain, il fallait cheater cette arme. Breaking. Oh bah ça c'est bien con ça mon pote. Une flèche, il est mort, c'est quoi ce délire? Ah, j'ai plus d'endurance. Merde. Toi, tu vas mourir. Flèche contre flèche. Feu. Flèche contre flèche. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais qu'est-ce qu'il est con. Oh, mais c'est incroyable. Et les gens, ils sont complètement débiles, hey, que ce soit dans la vraie vie ou dans les jeux. La zone est sûre maintenant. Tu peux sortir. Alors, où est Rove? Le camp était censé être là-haut, sur le toit de l'hôtel, au croisement avec New Walls Drive. Il y a un treuil à l'arrière du bâtiment. Tu peux monter avec. S'ils ont pas encore pu revenir, c'est là que tu les trouveras. Merci. Si tu peux rentrer à la base par tes propres moyens, vas-y. Et évite de te faire enfermer, ok ? Allez mon gars.
On peut pas rentrer dedans, voir s'il y a des ressources ou quoi. Tu vas me dire, les rapiers. Ok, là, il n'y a pas de ressources, on va le fouiller. Quel, lui, on va le fouiller. On l'a pas fouillé. Nice. Ouais. On va y aller. Et... prends-le. Non, je vais prendre celle-là pour les tuer, eux, les zombies. Voilà. Petite ressource. Des camomilles. Du miel. Des camomilles. Voilà. Et des champis. Voilà, nice. Ça. Ok, nice, une planque. Oh, le délire. Oh, comment c'est une grosse blague, gros? Il a bugué le bordel. Ah, mais moi, ça m'arrive toujours ces merdes. Hein. Attends, il y a un réplicateur machin, je sais pas quoi. Sa fille, ça. Tiens, dégage. Il m'a même pas vu, ce con. Oh, ça, c'est bien bête. Tête, mon monsieur. Allez, dégage. On n'a pas le plus. Il est où l'inhibiteur là? Il doit être en haut. On va goûter un petit peu. Oh merde. J'allais dire. Sérieux ou quoi? Un inhibiteur. Ah, il est là-bas. Et fuck. Et gros, il était bugué, le mec. Abusier. Donc alors, maintenant, l'enlève quoi? Ok. L'inhibiteur, il est où? C'est ça, je veux savoir, moi. On a de quoi ici? Lui, il faut le sauver. C'était moi une. Merci. Pas de soucis, mon pote, tu m'en auras une. Oh!
Wow. Mais what the fuck? Oh, j'ai eu du cul. Je vais faire comment maintenant, moi? Ah ouais, c'est bon, regarde, hop. Bad. J'attendais pas qu'il me la mette à l'envers, je croyais pouvoir l'esquiver ou quoi. Enfin, le contraire, si vous préférez, mais bon. Il a pas voulu. Il est où le conteneur d'inhibiteur? C'est ça le problème. Je vais m'en mettre de la vie parce que je vais crever. Oh mais non! Bon bah hein, j'ai pas cherché son loot hein. Allez mon pote, allez mon pote. T'as trouvé Ro? Pas encore, mais je suis tombé sur des renégats. Merde. Attends, je suis en route. Vite! Aide-moi! On botte le cul de ces renégats. T'inquiète, c'est ce qu'on va faire. Ça doit être au-dessus. Oui, enfin, des musiques, là, t'as toujours l'impression que c'est des musiques de fin, ouais. Par contre, si c'est fini, là, il serait un peu court. Hein. Bien. On sera tranquille avec cela. Vérifie le statut de l'équipe en bas. Oui, lieutenant, oui. Les renégats dehors, ils vous embêteront plus. Tu t'es débarrassé d'eux? Qui es-tu? Aiden, j'ai des ordres de Jack Matt. Merde alors. Voyons ce que les lutins du Père Noël nous ont apporté. Ah, c'est lui. Ok. Un retrait. Maintenant, c'est une putain de blague. Tu sais combien d'hommes j'ai perdu pour sécuriser ce foutu terrain? Je sais pas, lieutenant, mais j'ai... Cinq. Cinq parmi nos meilleurs hommes. Marthez a tué plus de virulents qu'une unité entière. Sierra et Petit Ron, ils se sont battus à mes côtés depuis avant la chute. Ils ont donné leur vie pour ce bout de ville, et maintenant quoi? Je suis censé partir? Pas de la base. Je veux accéder à la base de données du GRE, et j'ai entendu dire que tu savais où je pouvais le faire. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi je te le dirais, dans ces circonstances? J'ai des affaires importantes, bien que débiles, à régler. Eh, dégage. Ok, messieurs. Récupérez les plaques des soldats tombés au combat. Putain, ça craint. Mais un ordre est un ordre. Rob, attends. Lawan, t'es venu pour me faire chier aussi? Tu me connais, Rob. Aiden et moi, on cherche tous les deux cette base de données du GRE. Et tu vas nous dire où elle est. Tu préfères faire traîner les choses? Ou t'en occuper ici et maintenant? Putain. Qu'est-ce que tu veux de cette base de données? Il paraît qu'elle est stockée sur des serveurs dans le centre de commande de l'Observatoire. Mais ce bâtiment a été détruit lors des attaques chimiques il y a des années. Les bombardements se succédaient, comme si on était les putains de Vietcong. Il reste rien, tu comprends? Nada. Si vous voulez, allez vérifier par vous-même. Messieurs, on y va! Let's go, bébé! Donc alors, ah, elle est là, la caisse. Je me disais, j'ai pas trouvé la caisse. Ok, là, on va mettre quoi du coup? Vas-y, on va en mettre un petit. Non, vas-y, non, il est au niveau 5, je suis bête. Et ça, c'est quoi? Ok, et ça? Oh, oui. C'est très intéressant par contre. Une tenue pour les archers. Je pense pas que ça va m'intéresser du coup, mais bon. Oui, ça m'intéresse. Vu les stats, oui, ça m'intéresse. Oui. Bon, je vais laisser ça. Hein. L'armure est beaucoup plus importante, j'ai envie de vous dire.
J'ai envie de vous dire, allons-y. Et maintenant ? Maintenant ? T'as pas entendu ? La base de données a disparu depuis longtemps. Tant pis pour la découverte du mystère de notre enfance. Je vais retourner à la recherche des connards sur ma liste. Et toi ? Tu peux profiter de la vie au centre. Je vais à l'observatoire. Alors tu vas y aller tout seul. Alors, on se sépare ? Toutes les bonnes choses ont une fin. Le boucher et les connards sur ma liste. Ils le découvriront bientôt aussi. Je vais retourner les chercher. Tu devrais pas rester ici non plus. Oh. Aiden, je suis désolé que t'aies pas retrouvé ta sœur. Ouais, merci. Sinon, il y a toujours Waltz. Il sait probablement ce qui lui est arrivé. Si je le trouve, je te préviendrai. Bonne chance, Gadjo. Sois prudente, Lawan. Audience. Bon chance, Gaji. Bon chance. 8 points de compétence, ça marche. Allez à l'observatoire de la base GRE qui est This Is It. Là, on a une petite mission secondaire, on va aller la faire, hein, tant qu'à faire. T'as une trousse de secours ? On va te sauver la vie, mon ami, t'inquiète. Allô, y'a quelqu'un ? On nous attaque ! Les renégats, ils nous ont encerclés sur l'île. On n'a aucune chance ! Je t'en supplie, aide-nous. Si je te donne ça. Breaking. Je vais mourir. Tu déterres l'esquive qui m'a mis. Tiens, gars. Paf. Bah, j'ai même pas eu besoin, tiens. La plupart du temps, les quêtes annexes, eh ben, y a des moments où tu récupères encore plus que les quêtes principales. C'est un truc de ouf. Alors, vas-y, mais ça m'énerve. Oh là là, c'est incroyable. C'est vraiment n'importe quoi des moments. Hein. Pour ça, moi, même la nuit, je le fais, je m'en fous parce que ça donne beaucoup, beaucoup d'XP de traîner la nuit. Ah, c'est le campement là-bas, ok. J'avais pas trop compris au début. Vraiment lourd ce jeu quand même. On va aller sauver les potes du campement, c'est ceux qu'on a laissé tomber tout à l'heure ça. Wow. Tu vas mourir, t'inquiète. Ah, enfin j'ai réussi à faire. What? Mais gros, je me fais pousser partout. Ah mais c'est incroyable. Ah bah oui, mais tu m'étonnes, je me fais niquer. Mais tu peux même pas parce que les contrées, mais tu peux même pas. Oh, c'est incroyable, mais voilà, des moments c'est nappe. Attends, je prends une arme un peu plus résistante. Plus forte comme celle-là. Tiens, regarde. Côté dead. Il y en a un où là avec des flèches, il est relou. Je
Tiens, elle dégage. Boum, ça dégage, il est où l'autre? Il est où le lardon? Il est là. Ah oh, mais vas-y mais... Ah il est mort. Allez, coupez la tête moi. Bing. On parle plus. C'est l'histoire ancienne. On t'a buté un pacificateur. J'aimerais bien voir ça. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Tu peux sortir. Ils peuvent plus rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de bosser. Quand ils ont attaqué, ils ont pris nos provisions et abattu ceux qui s'interposaient. Mais pas tout le monde. Les autres, ils sont où? J'ai vu personne d'autre. Ils ont dû se faire embarquer. Oh mon Dieu. Maria. Robert. Ils ont pris mes amis. Tu sais où ils auraient pu amener tes amis? La frontière entre le territoire du boucher et le nôtre n'est pas loin. C'est là que les renégats ont leur camp. Tu vas les aider? Je t'en supplie. Il n'y a pas de pacificateur ici. Personne pour les aider. Je vais essayer. Merci. Sois prudent. Ils pourraient avoir des avant-postes le long de la route. Je vais te guider par radio. Je m'appelle Casper. Ok, bon, ça peut être pas mal. Les petites quêtes index en fait sont vraiment sympas, tu différencies même pas des quêtes principales et ça c'est bien, c'est ça que je recherche. Parce que t'as des jeux hein, les quêtes annexes, laissez tomber quoi, c'est de la merde absolue. Donc, attends, il fait jour, on va pouvoir aller prendre le petit... Ah merde, du coup j'ai plus ma lance. On fait un peu de parcours pour monter en XP. J'ai eu des compétences ou pas? Ah oui. J'en ai eu un là. Donc alors, c'est quoi ça? Ouh. Augmente l'élan, ok. C'est quoi ça? Ça, je le veux, ça. Ça je le veux, direct, hop. Zone de moulin avant, et où? Ah là-bas. Vas-y, bon, on va aller prendre le moulin, c'est très important. Toujours peur que ça passe pas, mais au final ça passe crème. Okay, nice. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas pris de moulin avant. Mais au moins là on est tranquille. Ça je le passe, ça sert à rien, c'est ridicule, c'est juste une cinématique pour faire que t'as pris le moulin. Mais bon, il est où? C'est vrai qu'on n'a pas revu Spike depuis un petit moment quand même. Mais gros, mais...
Tu peux rien faire, gros. T'essaies de les esquiver, ils te touchent quand même. C'est ça qui me gave dans ce jeu à des moments, c'est que tu peux les esquiver, ils sont à 300 mètres de toi, ils te touchent quand même, alors qu'ils sont à 300 mètres, hein. Enfin, vas-y. J'ai loupé une quête secondaire avec leur connerie, merde. Ouais, regarde, y'a même plus le coffre à rien, bordel de merde, ça me pète les couilles quand c'est comme ça, ce jeu. Je vous jure, c'est royalement relou. C'est vraiment le truc que j'ai horreur que le jeu il bug. Que tu perds parce que le jeu il bug. En plus, tu loupes des. Du loot pour ça, quoi. Ils sont plus capables de faire un jeu potable, c'est nappe. Allez, on coche. J'adore, ça fait trop penser à Skyrim. Ce survivant avait raison. Quelque chose tourne vraiment pas rond par ici. Je suis au premier avant-poste. Aucun signe de tes amis. Ils ont dû aller vers leur campement. Il est plus à l'ouest, sur Fulton Tower Road. Rattrape-les avant qu'ils y arrivent. J'y vais. Rien ici. Je comprends pas. Ils disent que les renégats sont dangereux, mais le cessez-le-feu a duré des années. C'est comme s'ils ne craignaient plus les pacificateurs. Qu'est-ce qui a changé? On est peut-être sur le point de le découvrir. Je reste en contact. Alors c'est où maintenant? C'est là-bas, 109 mètres. T'es mort? Aucun en plus. Ils sont où? Tu peux les... On peut tous les avoir, mais il faut pas les affronter au corps à corps parce qu'on va se faire avoir. Donc ils sont où du coup? On voit comment ça se passe. On peut l'ouvrir ça. Vas-y, on va crocheter tout ça, un petit loup. Quoi ce délire? C'est quoi ce cirque? T'es fuck, c'est la première fois que je galère aussi, autant. Y'a personne ici non plus. Ils ont pu s'arrêter au point de vue du moulin avant sur Garrison Boulevard. Dépêche-toi. Ça sera plus difficile de les libérer s'ils atteignent le campement. Je vais aller n'importe où, lui. Je crois avoir vu qui commandait ces renégats. C'était Elias. C'était un survivant. Il vivait dans la zone, il y a 2 ans. Il était avocat avant l'épidémie. Un homme intègre. Puis, il a disparu. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Disparu? Il y a 1 an, un type est venu. Un des hommes du boucher, ils ont dit. Apparemment, il travaillait pour le GRE, à l'époque. Il a essayé de convaincre les gens d'aller au barrage. Il leur a promis des armes. Et ceux qui l'ont suivi sont jamais revenus. Quand j'ai vu Elias juste avant... Qu'est-ce qui m'énerve à venir comme ça, Joe? Comme... il était drogué. Ses yeux... Ils étaient terrifiants. Comme s'il n'y avait plus personne. Je vais m'en occuper. Mais j'appuie sur X en moins 20 fois, ça marche pas, c'est un truc de ouf. Tiens, toi, tu mords. Tiens, dégage. J'y suis. Ça me batte. J'ai trouvé que des renégats ici. Ils ont donc déjà atteint leur campement. Impossible.
sauver mes amis maintenant. Je vais aller jeter un coup d'œil et voir ce que je peux trouver. Je n'osais pas te le demander, mais on peut pas abandonner. Aide-les. Je t'en prie. Alors, c'est où ça? Ils sont où? 52 mètres? Allez, on y go. C'est vraiment parce que c'est toi. Parce que ça m'a l'air cool, hein. Sinon, je l'aurais pas fait, je te le dis. Il y a peut-être des petites flèches. Quelqu'un joue qui? Derrière. Mais... Hey. On n'a pas le plus. C'est ce que j'allais dire, ils donnent jamais de flèches, mais ouais, ça va. Il y a une quête secondaire là-bas, mais j'ai pas la fin maintenant. On va pouvoir fouiller, c'est cool. Oh. Petites lances, j'aime bien, elles sont vraiment violentes. Du coup, c'est où cette quête là? What the fuck? Libérer les survivants? De toute façon, il y a la terre pleine, non. Oh, j'ai l'inventaire plein, fait chier. Ça, j'ai pas fait attention par contre, donc attends. Faut que je fabrique des petites choses. Oh, on en a fabriqué un aussi. Les crochets, faut que j'en fabrique pas mal. En fait, je peux en fabriquer 20, qui est le maximum. Comme ça, au moins l'inventaire. Niveau inventaire, il y a des choses que je dois abandonner. Alors ça, abandonner. On va abandonner, ça sert plus à rien. Il est mort de toute façon. Qu'est-ce qu'on a là? Un spécialiste dans les maniements de l'arme à une main. On va le prendre pour tester. Ça sert à rien. Voilà, la masse à deux mains, nickel. Ils doivent être là les prisonniers. C'est sûr. Il y a du loot à gogo ici. Donc alors, il y en a là. T'as une caisse si je n'ai même pas fait gaffe. Hostage. Et ça fait plaisir quand t'arrives à trouver le point G, un con. Ah, ils sont où ces chiens? Kaboom! Allez, fais-le droit!
Oui, les zombies les attaquent pas eux. Je comprends pas pourquoi les zombies sont à côté d'eux, ils les attaquent pas, ça c'est de la grosse connerie par contre. Mais vraiment. Bonne petite arme. Nickel, crochetage intermédiaire, nickel. Ok bébé. Ils sont où en haut? Alors? On l'est bébé. On est en haut, on va essayer de sauver les amis. Ah c'est cool, en fait ouais il fallait péter la gueule au gars avant d'aller les sauver. Oh merde, encore eux. Des veines, trop de veines, choper le silence. Qu'est-ce que tu fais ici? Laissez ces gens partir. Je vais pas écouter la marionnette des pacificateurs. Tu vas t'étrangler. Ils ont tous le même tête, t'as l'impression à des moments. Ce sera un rideau pour vous tous. Mais nous, on n'a pas de ficelle. Il nous a libérés. De quoi tu parles, bordel? Le maître a libéré nos corps et nos esprits. Nous voyons maintenant qu'à chaque fois que nous terrassons un ennemi, nous absorbons sa force. Tu peux te joindre à nous. Ou tu peux passer l'arme à gauche aujourd'hui même. Oh, de question, il est fou, quoi. Merci pour l'offre. Mais t'es complètement cinglé. Tu ne comprends rien. Attrapez-le! Vas-y, je suis coincé avec le putain de mur. Vas-y, la blague. Toujours la même chose avec ce jeu, vérité. Mais comment ça se fait? Mais gros, il me touche à travers les murs, vas-y! Il y a des zombies encore, vas-y. Putain, toi t'es mort. Hogan, je l'esquive, mais il me touche quand même! C'est pas possible, hein, putain de merde.
C'est incroyable. Allez, c'est fini. On en parle plus. On ne l'oubliera jamais. Par ici, il y a une porte sur le côté. Allô ? C'est Aiden. Tes amis sont sains et saufs. Merci, Aiden. On t'en doit une belle. Y a pas de soucis, mon pote. Libérez les survivants. Quête annexe. Finish. Oh, c'est quoi ça ? Oui, j'ai des belles armes du turfu là d'un coup. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Daylight 2. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va suivre. Aimez, commenter, partager, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça donne la force. Je vous dis à la fois prochaine. Peace.